Madame, Monsieur, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce jeudi 10 décembre 2020. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 9 décembre 2020 à Abidjan. D'importantes décisions ont été arrêtées. Lutte contre le coronavirus, la campagne de vaccination s'ouvre en avril 2021, nous apprend Fraternité Matin à sa une. L'opération sera gratuite, annonce le journal. La cible concernée par cette opération à retrouver dans le journal. Relativement à l'enseignement supérieur, le BTS sera réformé, a annoncé le conseil des ministres. Prise en charge de certains cancers, la médecine nucléaire arrive en renfort. Les détails du conseil des ministres à retrouver dans Fraternité Matin. Ahmed Bakayoko à propos de la lutte contre la corruption. En 9 ans, nous avons gagné des points, affirme-t-il à la une du journal Le Patriote. En effet, au cours de la commémoration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, le mercredi 9 décembre à Abidjan, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a réaffirmé l'engagement constant du président de la République à œuvrer pour une bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu à lire dans Le Patriote. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble, main dans la main, toujours aussi proches et encore plus innovants. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Dialogue politique, investiture de Ouattara, traque, attaque, tuerie et emprisonnement des opposants, Bédié lâche une grosse bombe, Barassa une, le journal Le Nouveau Réveil. Légitimement, Ouattara n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire, affirme le président du PDCI RDA à la une du Nouveau Réveil. Au cours d'une déclaration produite hier, le président du PDCI RDA a fait des propositions. Je propose un dialogue national en place d'un tête-à-tête Bédié Ouattara. Je propose également la réorganisation des élections présidentielles transparentes, crédibles, inclusives, dans un climat apaisé. Retrouvez l'intégralité de la déclaration du président du PDCI RDA dans Le Nouveau Réveil. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et à demain.